Et on se retrouve... Donc j'ai pas encore édité la vidéo. La partie en fait où j'ai passé le temps à crafter. Bienvenue, maintenant nous ressemblons à... Je sais pas. Ça aurait été bien de pouvoir mettre la tête de l'ours en fait sur notre tête au lieu de le mettre sur le ventre. Ça fait une sorte de... Je sais pas, une poche kangourou avec une tête d'eau. Bref. Donc, alors ce qui s'est passé la dernière fois. Donc je sais pas si je le montrerai tout ça, parce que honnêtement c'est vrai que c'était pas super intéressant. C'est juste du craft, dormir dehors, dormir dedans, craft, etc. Voilà, donc on est en très bonne forme. Aussi on a fini d'être malade, enfin. On avait une endurance, je crois que c'était rouge jusqu'à là. J'essaierai de le montrer, c'était rouge jusqu'à là, c'était incroyable. Genre elle pouvait rester éveillée genre 4 heures, maximum 4 heures dans la journée, après elle devait dormir. C'était un peu une catastrophe. Donc on a le manteau en peau de loup, une couche extérieure artisanale fourrure, la peau vous gardera bien au chaud et incitera les loups à ne pas trop s'approcher. C'est vrai que donc je l'ai testé, évidemment il y a toujours le fait qu'ils ont un pourcentage de chance d'avoir peur quand ils vous reniflent, donc ça marche très bien. Et nous avons aussi maintenant le manteau en peau d'ours qui est vraiment bien, donc on a la défense très élevée, nous avons l'étanchéité aussi très élevée, et nous avons des bonnes résistances contre le vent aussi. On a bonus coupe-vent plus 12%, bonus de chaleur on a 24 degrés, ce qui est pas mal. On a une protection à 44%, ce qui est bien si jamais on se fait attaquer ou alors si jamais on tombe et tout ça, on prendra moins de dégâts sur la vie. J'ai réparé aussi les moufles parce que c'était un peu abîmé, il faudra réparer les bottes aussi à un moment et peut-être la chapka. Nous avons donc ça, on l'avait déjà trouvé. J'ai réparé des choses, j'ai lu des livres aussi, donc nous avons lu quelques livres. Pour l'instant je suis... en fait je suis sur mon dernier livre, donc il reste plus que dépecer vos proies. Alors j'ai lu le livre... Sur le feu, je l'ai enfin fini, vu que on était dans de bonnes conditions une fois qu'on avait fait, on avait soigné notre maladie. Donc on a le feu maintenant niveau 3, on n'a plus besoin de petits bois, ce qui est vraiment cool. Ça veut dire que ça fait du poids déjà en moins, et c'est beaucoup plus facile en fait de faire du feu. 65% de chance d'allumer un feu de base, et les feux durent plus, 10% plus long. Après nous avons eu... J'avais aussi un livre sur la pêche, donc je l'ai lu, donc maintenant on est passé au niveau 2, nous avons délai de pêche moins 5% et 8% de risque de casser la ligne lors d'une prise. Alors je pense que c'est bien sûr moins 8% de risque, parce que 8% de risque on dirait que c'est... On dirait qu'il y a plus de risques en fait de casser la prise, donc ça doit être moins 8. Voilà, nous avons ça. J'ai lu aussi des livres, on avait encore un livre de tir à l'arc, donc nous sommes à la moitié, j'ai encore chassé un peu. Et aussi nous avons la collecte de la carcasse qui est bientôt à 5, qui est vraiment cool. J'ai fait beaucoup de cuisine, enfin j'ai fait une dizaine de steaks, je vais le montrer après dehors. Nous avons un temps de merde, donc je vais juste parler pour le moment. Donc nous avons la cuisine qui est presque à la moitié du niveau 4, ça prend énormément de temps honnêtement, ça prend pas mal de temps. Et ce que je suis en train de faire, attendez, on a sûrement de eau non potable, ok on va laisser ça. Nous avons sûrement... des pots secs bientôt en tout cas, enfin... Ouais, on en a encore 2 qui doivent sécher. Donc on a 3 serres. Donc j'ai un peu rangé les choses. Hein. Donc nous avons maintenant 3 serres, 3 pots de serre. Et bon, j'ai fait quelques loups au passage parce qu'il fallait bien se défouler un peu. Nous avons 3 pots de loups. Donc les serres, je pense qu'on va faire un truc, c'est faire un deuxième pantalon en pot de serre parce que bon, on va passer à 2 degrés, tout ça. Et c'est vrai que c'est vraiment top. Bon, par contre... Notre équipement, c'est un peu la merde par rapport à l'endurance. L'endurance, on n'a rien. Vous voyez, notre endurance, on a moins de 50%. On doit avoir genre 45%, un truc comme ça, d'endurance. Donc, c'est vrai que rajouter encore un pantalon peau de serre, ça va faire encore moins 5%. Enfin, on est déjà à moins 1, ça fera 4% en moins encore. Donc voilà, c'est énorme, mais c'est vrai que ça aide énormément parce que maintenant, on est arrivé donc au 2e mois. Et il fait extrêmement froid, je dois dire que nous sommes à 60 jours et il commence à déjà faire des moins 50, des moins 60 dehors et tout ça. C'est un peu relou, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà. Après, j'ai fait des flèches en plus. Donc, j'ai fait toutes les flèches qu'on pouvait pour le moment. Donc, on en a 12 en tout. Ce qui est pas mal. Je vais peut-être même en déposer, quoique c'est pas extrêmement lourd. Nous avons toujours... Enfin, maintenant, à cause des vêtements, c'est vrai que les vêtements sont lourds de base. Bon, bien sûr, quand on les porte, ça pèse moins lourd. Mais on a quand même 11 kilos en tout de vêtements. Donc, on est toujours près des 30 kilos. Et ça, c'est un peu un problème. J'avoue que ça c'est un peu un problème. J'ai fait un autre arc de survie. Donc nous avons un à 100%. Lui je l'ai complètement utilisé. Il est à 0%. Et nous avons un arc sur nous qui est dans les 50 je crois. 50% ou 58%. Très bien. J'ai aussi aiguisé les hachettes et le couteau. On a bientôt fini notre pierre à aiguiser. C'est la deuxième qu'on a. On a augmenté aussi en couture. Je crois qu'on était déjà en niveau 2 en couture de toute façon. Mais j'ai fait aussi un peu de raccommodage. Enfin voilà, on a bien avancé. Aussi j'ai sorti tous les thés qu'on avait. Enfin les tisanes. Et apparemment c'est vrai qu'on avait quand même pas mal de reishi. J'avoue qu'on avait quand même pas mal de reishi. Et ça c'est l'eau qu'on a en réserve pour le moment. Tiens, encore de l'eau à mettre en réserve. Donc voilà, ça avance bien. Mais comme j'ai dit, on commence à avoir des... Pas des problèmes, mais on va dire que le temps est vraiment, vraiment mauvais. Et ça casse un peu le... Ça casse un peu l'ambiance, en fait, de faire des choses. Mais bon, voilà. Oui, sinon après on a encore des... J'ai dit j'avais le dernier livre à lire, mais c'est vrai qu'on a encore d'autres livres. Mais ça, c'est des livres vraiment qui sont bons. Qui vont pas être intéressants, en fait, c'est fabriquer des munitions. Et après on a revolver et 2 pour le fusil. Mais je les ai pas lus, mais c'est vrai que pour nous ça va pas vraiment nous intéresser. À moins qu'on ait un miracle et qu'on trouve, un fusil et un revolver, mais en théorie non. Donc voilà, on a aussi quelques peaux de lapin et tout ça. Et on a encore pas mal de boyaux secs et on a des nouveaux. Mais voilà, donc vraiment cool. Donc comme j'ai dit, ça servait un peu à rien parce que ce que j'ai fait au final, c'est crafter, dormir à l'extérieur, dormir à l'intérieur, parce que pour éviter d'être fou par rapport au mal de l'enfermement. Donc l'igloo il est là, il est bientôt détruit de toute façon. Pour le réparer, il faudrait en fait du tissu à chaque fois, ce qui est un peu chiant. Donc on va le laisser se détruire. J'avais fait un feu juste là, on va prendre ça. Et ça c'est notre réserve de nourriture. Donc on a du loup que je ne vais surtout pas toucher, parce que j'ai pas envie de retomber malade. Et on a du gibier, c'est tout du 960 de calories. Donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Après c'est tout. Après honnêtement c'est tout, c'est tout ce qu'on a. Mais vous voyez le temps, moins 43, moins 44 degrés alors qu'on a... On a les meilleurs vêtements en peau et tout, ça c'est un peu une catastrophe. J'avoue que c'est peut-être même pas fun en fait. Après bon, on a encore des journées des fois où il fait, on a genre moins 5, mais c'est rare, c'est bien bien rare. Et les tempêtes durent extrêmement longtemps. Ah donc bon, ça c'est un peu un problème. Mais voilà, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On va reprendre ça, on a des chaussures ici. Sinon voilà, on a réparé. J'essaye maintenant d'utiliser la scie parce que c'est vrai que j'ai remarqué que on est à la deuxième pierre à aiguiser et on n'en a plus d'autres. C'est la dernière qu'on a et il reste 25% dessus. Donc du coup ça vaut le coup d'utiliser plutôt la scie quand on veut par exemple, je sais pas, récupérer de la viande et tout ça. À condition bien sûr que la scie soit plus rapide que les mains. Mais c'est vrai que... j'avoue, on va déchirer ça, on va déchirer ça, ça aussi. Mais j'avoue que il faut faire un tout petit peu attention parce que on n'a pas de, on n'a pas trop, on va dire qu'on a tapé dans les réserves. Voilà, on a un tout petit peu tapé dans les réserves. Donc faut faire attention à ça. Alors j'avais dans l'idée en fait pour aujourd'hui, pour cet épisode, de repartir à la chasse à l'élan. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez l'élan qu'on devait attaquer? J'ai pensé à faire ça, repartir à la chasse à l'élan. Je sais pas trop comment ça va se passer par rapport au temps. Il est déjà à la moitié de la journée. On a toujours une tempête de fou. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, je voulais faire l'élan parce que, bah encore, comme j'ai dit, on va aussi déchirer ça et ça. Comme j'ai dit, on est souvent, très souvent, on est toujours dans les 30 kilos. Et là, c'est sans avoir de nourriture sur moi, j'ai juste l'eau. Donc c'est un problème, c'est un problème. Alors, est-ce qu'on peut être moins lourd? Eh ben pas vraiment, encore une fois, comme j'ai dit, c'est surtout le problème, c'est que c'est surtout les vêtements là qui sont un peu lourds. Donc voilà. Voilà, voilà. On peut poser des flèches, c'est vrai qu'on peut poser des flèches. On va peut-être en poser même, ça, le temps se calme un peu. Je pense qu'on pourrait en poser. Alors on va aller partir. On va aller se balader, on va voir un peu si le temps est un peu mieux ou pas. Je vais en poser des flèches quand même, ouais, on n'a pas besoin d'autant de flèches, surtout que maintenant on fait quand même bien mal. Donc on va en poser 5. Voilà, donc on en a combien en tout? 6 en réserve et on en a 7 en tout. Donc voilà, on va les poser. C'est un peu la merde pour les poser à chaque fois. J'ai quand même perdu une flèche entre temps parce que un con de cerf a décidé de pas mourir sur la première flèche et du coup en fait il est allé dans un coin, il est mort en fait en plus super pas loin, mais le problème c'est que j'ai dû rentrer parce qu'il faisait froid et mais la flèche bah elle était pas sur le cadavre donc je sais pas où elle est passée la flèche. Et ça, c'est un peu le problème. Voilà, je sais pas où elle est passée la flèche. Donc on a perdu encore une flèche. Enfin, une pointe de... Quand je dis flèche, on a perdu une pointe de flèche. Et surtout la pointe de flèche, en fait, qui est importante. Donc il nous en reste encore 14. Donc voilà. Et on a du métal ici. Alors j'avais dans l'idée de... Donc d'abord, faire peut-être un petit épisode. Voir si on arrive à trouver l'élan. Et après, je voudrais... passer... Je vais montrer sur la map, on va voir s'il fait froid ou pas. Il fait pas... S'il fait froid, 20 degrés. Il fait quand même bien froid. Hein. On va essayer de dormir quelques heures, genre 2 heures. Ouais, peut-être, hein, peut-être dormir 2 heures. On va voir un peu. Je vais montrer donc la map. J'avais dans l'idée de... je l'avais déjà dit et déjà expliqué. Mais on va retourner à Muskegmore parce que c'est le seul endroit où on a trouvé un élan. Qui est pas extrêmement loin et pas très compliqué à récupérer. Mais je voudrais aller à la voie ferrée détruite. La voie ferrée détruite, c'est un endroit assez difficile parce qu'il y a pas mal de loups. Mais bon, on est équipé maintenant. Hein. Après la crique lugubre, honnêtement, je crois que je peux tout défoncer. Il n'y a plus de problème. Mais du coup, il y a aussi une forge là-bas. Donc à la limite, ce qu'on pourrait aller faire, c'est si jamais on y va... bon, ça sera plus tard, comme j'ai dit, il faut d'abord qu'on récupère le cerf, l'élan, pardon. Et je veux d'abord le sac. Donc si jamais on arrive à récupérer l'élan maintenant sur cet épisode, ce que je vais faire, c'est qu'on va sûrement faire encore une ellipse. C'est-à-dire que je vais attendre que la peau sèche. Et comme ça, je pourrais faire le sac et je crafterai le sac et comme ça, on repartira en aventure. Parce que le fait de crafter, d'attendre que la peau sèche et tout ça, ça va être chiant. Hein, ça va pas être intéressant à regarder. Donc, je préfère faire ça. Mais une fois qu'on aura le sac, oui, aller là-bas pour visiter, pour trouver un peu, regarder ce qu'il y a. Et peut-être que après, ensuite, on pourrait aller à Milton. Pourquoi pas? Parce qu'on est franchement bien équipé. Donc, pourquoi pas Milton aussi? Mais voilà, et on a un faitout sur nous. On a un faitout, ça va. Mais voilà, je pense qu'on a des bonnes zones à aller voir. Et on va prendre un steak sur nous. On va le garder. Ah, il fait pas froid. Vous voyez que des fois, on a quand même, avec nos vêtements, voilà, il fait moins 5. Il fait moins 5 degrés et elle est en pleine forme. Donc pas mal, pas mal. Donc on va avancer. Mais le problème, encore une fois, comme j'ai dit, c'est le fait de toujours avoir, d'être proche des 30 kilos. Ça nous fout un peu dans la merde. Alors faut regarder, parce que des fois il y avait un loup qui traînait par là. Il traînait ici, je sais pas pourquoi exactement, mais il traînait ici. Je vais être honnête, quand on est rentré au lac mystère, après notre vadrouille en enfer, là, j'avoue qu'il y avait énormément de loups partout. J'avoue que c'était vraiment le bordel ici. Je suis allé sur le lac, il y avait au moins 3-4 loups. Sur les rails, il y en avait aussi. C'était galère, hein. C'était bien galère. Les collets, il faudra les récupérer, les collets ils servent à rien. À chaque fois j'oublie de les récupérer, honnêtement. À chaque fois j'oublie de les récupérer. Oh, vous savez ce que j'ai oublié? Mince. Le sac de couchage. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Littéralement, quand on parle du loup. Littéralement. J'ai vraiment pas le... Ah non, j'ai pas le... Ah, il a eu peur, tu vois. Vous voyez que la peau marche bien. Je suis sûr que... Je suis sûr que ça marche pas sur les loups gris, mais... voilà. Après, est-ce qu'on a suffisamment de calories pour tenir, bah, je sais pas, moi par exemple, pour tenir, pour avoir par exemple le bonus de 5 kilos? Pas vraiment. On a pas mal de steaks, mais ça va pas durer longtemps non plus. Parce qu'à chaque fois, enfin ils sont à 960, on est d'accord, c'est quand même beaucoup de calories. Mais on va peut-être même le manger celui-là, juste pour être sûr. Hop. Voilà, très bien. Et on va en prendre un. Et comme ça, si jamais on doit dormir, on a des trucs à manger. Ah, très bien, let's go. Mais voilà, le fait de... Ah, c'est con, parce que là, on a froid. On n'a pas... Il faudra attendre une heure, se réchauffer. Enfin, c'est pas grave, bref. Peut-être que le temps s'améliore. Ouais, il fait moins 3. Alors attendez, parce que est-ce que ce con de loup est revenu ou pas? Ok, j'ai pas l'impression. On pourrait couper du bois aussi, ce serait pas mal. Mais bon. On est en aventure, ok? On a un but. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. On a une mission, donc on avance. J'ai pas envie de me faire le loup pour le moment. Enfin, le loup on s'en fout. Donc t'as qu'à nous suivre. Si jamais on trouve le cerf, l'élan, pardon, et qu'on arrive à le récupérer, on va pouvoir récupérer pas mal de viande. Par contre, il est extrêmement loin, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller. Ce qu'on fera à la limite, on fera un peu comme la dernière fois, vous vous rappelez, avec le fait de faire des feux à côté des bois pour les couper, ou alors à côté des cadavres d'animaux, et après on les mange et tout ça. Si jamais on tue l'élan, ce qu'on fera, c'est que, bon, déjà, la première chose à faire, c'est prendre la peau, ça c'est sûr. Mais après, on fera des steaks, on se goinfrera, genre, à fond, on se mettra full calories. Et après, on essayera de ramener quand même quelques... on essaiera quand même de ramener quelques steaks, parce que ça va sûrement... Surtout que la cuisine, elle est extrêmement élevée, on est niveau 4, presque 5. Donc on va pouvoir faire des steaks peut-être à plus de 1000 calories. Enfin, je suis quasiment sûr que ce sera plus de 1000 calories. Oh, qu'est-ce que tu fais à tracer là? Tu vas te calmer. Tu vas te calmer, monsieur le loup. Et il est motivé, lui, derrière, là. Très très motivé, le monsieur. Ah, c'est bon, on se casse. Ouh, il nous a attaqué. Intéressant. Il nous a attaqué. Trois fois que... Intéressant. Je pense qu'on est un peu lent quand on se déplace. Voilà, j'essaye de faire des phrases qui sont compréhensibles. Je pense qu'on est un peu lent, donc ils prennent de la... de l'avance sur nous, je crois. Faut s'habituer. J'ai pas encore vraiment beaucoup bougé avec tout ce nouvel équipement, donc on va voir. Faut qu'on prenne du bois. On va prendre du bois pendant qu'on se déplace. Mais voilà, honnêtement, on est bien en survie, là, on est vraiment bien, on est bien équipé et tout ça. Tant qu'il y a des jours, en fait... Attendez, on fasse attention à ce qui se passe. Tant qu'il y a des jours comme ça où il fait pas très froid, ça va, on peut se débrouiller. Honnêtement, ça serait bien qu'il fasse le... On arrive même à dépasser les -3. Enfin, devenir positif, ça serait vraiment bien. C'est pour ça que aussi je veux faire un pantalon en élan. Un deuxième. Comme ça on est tranquille et on... Parce que là, on gagnerait à peu près 2 degrés. On serait... On va dire qu'on serait proche du zéro. On serait proche du zéro. Donc du coup on n'aurait quasiment pas froid. Donc ça nous aiderait. On se rappelle aussi qu'on a un endroit pas mal pour se reposer, donc si jamais... Maintenant on connaît, ça qui est bien aussi avec notre aventure, on a le mont en haut là, les hauteurs. Ah les hauteurs, je crois que c'est là, c'est cette tour là. Oui ouais c'est cette tour là. Donc là on continue un peu, puis on va sur la gauche et après on peut monter etc. Je pense qu'on pourrait aller... Il y a encore des champignons à récupérer ici. Je pense qu'on pourrait aller se reposer là-bas. Ça pourrait être une solution. Passer la nuit. Passer la nuit. Il fait pas froid encore. On a ça. Puis on a un loup à droite. Toujours le même. Et aussi quand on ira à la forge, la deuxième forge là qui est dans l'autre zone, ce qu'on pourrait faire à la limite c'est crafter des choses. Oh mon dieu, t'es sérieux, maintenant il y a une tempête. Ça serait crafter des choses, donc on pourrait peut-être faire des têtes de flèches, je sais pas trop. Ah, il y a un loup juste devant. Il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Attendez, on va attendre qu'il se déplace. Est-ce que je peux passer là en ligne droite, là, comme ça? Sans que la glace casse. J'ai peur de tracer. La dernière fois, on avait fait quoi? On a fait ligne droite. On était tombé, non? I hate being cold because I really do. Ah, il va nous sentir lui, non? Continue par là. Quoi? D'où tu viens, toi? D'où tu viens, espèce de saloperie? Ah, on est à contre-vent. On va devoir combattre. Et j'ai pas envie de donner mon steak. Faut qu'on arrive à un caillou, à un rocher. Il faut qu'on se réchauffe. Gauche, y a rien. Ah putain, mais contre-vent. Mais ça me rend fou, ça. Ça, c'est vraiment un truc dans le jeu qui me m'énerve. Il y a un loup devant aussi. C'est un truc qui m'énerve parce que ça nous ralentit tellement. J'ai envie de... Je sais pas. Casser un truc. train de nous rattraper, ce con. On va devoir le combattre. Mais merde. On a touché. Ah, très bien. Maintenant on tue en 2 flèches tout le temps. Merde, j'ai tiré où ma première flèche? On a tiré 3 flèches en tout, on est d'accord. Ça c'est un bâton, ça c'est pas la flèche. Bon bref, on va prendre ça déjà. 1, 2... On a déjà perdu 1 flèche! Là. Ok, c'est bon. Allez, 2e. Ok, lui il a eu peur. Mais merde. Ok, mort. Il y en a un autre qui était là, non? Faut qu'on aille se reposer. Attendez, j'ai... Là. Quoi? D'accord? Allez. C'est reparti. Oh mon dieu. C'est bien ce jeu. Attends, t'es en train de nous attaquer ou pas? Non, il est en train d'avoir peur. Ok, bien joué. Oh la vache! C'est bon? Ok, il a eu peur. On va... Je sais pas trop. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit ici pour se reposer? Genre un endroit un peu à protéger du vent. Genre une grotte. Faut faire gaffe à notre hypothermie aussi. Il fait pas extrêmement froid donc... on n'a pas besoin de trop... pour se protéger, pour se réchauffer. Je pense que c'est trop loin le truc de monter. On va se mettre là dans le coin là, non? Ouais, c'est pas... Non, sinon on n'est pas protégé du froid. Là on est protégé du froid? On est protégé de... Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On a le vent qui commence à bien souffler. On est reparti, hein, faire du feu et tout ça. Ah, donc voilà, maintenant vous voyez, on n'a plus besoin de petits bois. Ce qui est plutôt cool, ce qui est vraiment, vraiment cool. On va essayer de se réchauffer le plus rapidement possible. Et après, on va continuer notre... On va continuer notre chasse. Ok, très bien. On va faire 2 heures. Ah, il fait combien? Est-ce qu'il fait vraiment froid? Non, il fait pas extrêmement froid, donc ça c'est bien. Ce qu'on va faire... Est-ce qu'on peut faire... Hop. Ah non, il faut les préparer, c'est vrai. Peut-être qu'on n'en a pas assez. Ah non, si on en a assez, ça va. Très bien. On va faire cuire ça. On va mettre notre sac de couchage ici. Voilà, très bien. On va attendre. Et ce qui est bien, c'est que voilà, le fait d'avoir des gros vêtements bien lourds, ça nous permet de... ça nous permet quand même de pouvoir dormir un peu partout. Donc ça c'est bien. Je vois encore des champignons. Ah bah tiens, on peut le faire en fait. C'est juste pour me réchauffer en fait que je fais ça. Me réchauffer plus facilement. Est-ce qu'on en a d'autres encore? On n'en a pas assez. On va dormir 1 heure. Voilà, très bien. Vous voyez maintenant, c'est ça, c'est tranquille quand même. J'entendais pas. Je crois que... il fait trop froid maintenant, parce qu'on a le vent en fait qui est dessus, qui est sur nous. Donc on va ramasser ça. Et on va, je pense, repartir. On va manger ça. Comme ça on sera en dessous des... ouais, il y a un loup pas loin. On va partir. Il y en a encore des loups. Ah, ce qu'on aurait pu faire, c'est... fait une bêtise encore, c'est de mettre des tisanes à chauffer. J'aurais pu tout simplement mettre les tisanes que j'ai sur moi là à chauffer. Ah mais je suis bête, on a la grotte, c'est vrai. Vous vous rappelez la grotte maudite? Vous vous rappelez de celle-là? On a toujours la grotte. Ouh! C'est réapparu ou... je les avais pas pris. C'est la grotte maudite vers la zone de l'enfer. Par contre on voit... ok, d'accord. On est juste au bord de... ok, on est juste au bord de la sortie. Parce que alors, quand on est à l'intérieur on voit rien. Ça c'est un peu bête parce qu'on voit pas l'extérieur en fait aussi. On voit pas qui... normalement, bon c'est la nuit d'accord mais... tu vas pas me dire que c'est complètement noir. Hein, bah du coup on va faire ça. Barbe de Jupiter, on va... non, on va faire ça. Donc c'est bien, on peut camper ici. C'est vrai que j'avais complètement oublié le coup de la grotte. Faudrait que j'étudie la map à chaque fois avant d'y aller. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là on a utilisé tout notre bois pour rien. Et on a utilisé une allumette pour rien, honnêtement. Voilà, c'est ça. Le résultat en fait, le résultat de ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a utilisé tout ça pour rien. Et le sac de couchage aussi. On va aller encore visiter, voir si on peut pas trouver le... si on peut pas trouver l'élan, vite fait. Ça, honnêtement, ça serait vraiment bien de le tuer près d'ici. Comme ça, on peut complètement se réfugier dans la grotte, en fait. Et faire cuire dans la grotte. On va récupérer ça, très bien. On récupère ça, comme ça on peut faire des tisanes en plus. Vous voyez que on a 3 flèches vers le bas. Il fait froid, mais il fait pas très froid. Et surtout le fait que le vent, la neige... parce que le vent, la neige, en fait, augmente énormément le froid. C'est ça le problème dans ce jeu. Tout s'accumule, le vent, est-ce qu'il neige, voilà, est-ce que c'est humide, etc. Et là, c'est vrai qu'avec nos vêtements qui sont extrêmement épais, surtout l'ours, qui est super étanche, du coup, ben... il fait froid, mais on peut rester quand même à l'extérieur sans trop de problèmes. Je vois rien qui bouge. Regarde juste s'il n'y a pas encore des champignons à récupérer. Ah là 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 là! Trouvé! Il est là, il est pile devant. Ok. Par contre, je suis pas très fan de le combattre dans la nuit. Alors, attendez, il est en bas. Là-bas, là, il n'y a que des arbres. Est-ce qu'on peut monter là? Ça risque d'être compliqué pour se faire. J'avoue. Merde, elle est où la grotte? Elle est là-bas. Avec ce vent, on peut pas courir, rien. Non, c'est trop dangereux de le combattre déjà avec ce vent parce que je peux pas courir là. Si on fait ça, je peux complètement pas courir. On est complètement bloqué. Donc on va pas le faire. Je pense qu'on va attendre que la nuit se lève. Non, le jour se lève. La nuit tombe, le jour se lève, ok. Je pense qu'on va attendre. On va d'abord faire ça, on va attendre un peu plus. Parce qu'elle n'est pas extrêmement fatiguée. Ça, on va pouvoir faire des... Faut plus de... Je dirais à la limite, ne pas prendre de l'eau. Ça, ok. On va attendre qu'il fasse minuit. Ne pas prendre de l'eau à la limite et se balader qu'avec des tisanes. Parce que les tisanes, ça permet de les réchauffer et de nous donner un bonus si jamais on a besoin. Ça donne des calories en même temps que la boisson. Enfin, c'est hein, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On va dormir ici. C'est vrai que ça allait bien cette grotte. Ça nous aide tellement quoi, c'est abusé. Voilà, 6. Devrait faire jour normalement. Et on va voir. J'espère qu'il va pas faire de vent surtout, ça le problème. S'il fait froid, c'est pas très grave, on va se débrouiller. Mais je veux pas de vent. C'est encore la nuit? T'es sérieux? Je sais pas calculer apparemment. Fait bientôt jour. Ok, maintenant elle est en pleine forme. On va ramasser le sac de couchage, même si... on pourrait le laisser là, hein, le sac de couchage. On pourrait complètement le laisser ici. Je suis en train de me dire... Est-ce que ça servirait de garder des calories? Non, ça servirait pas, donc c'est pas grave. On va juste boire l'eau. Qu'on a d'autres choses à crafter? Non, on n'a pas d'autres choses. Non. Ok, on ressort. C'est par là. Ok, on va voir un peu le temps, si ça s'est un peu amélioré, et on peut peut-être commencer à le... D'accord, donc bah, j'ai rien dit. J'ai strictement rien dit. Oh là 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 là, ça va m'énerver ça par contre. Parce qu'on avait une belle nuit, enfin une belle journée pendant un moment là. Du coup on va devoir attendre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Parce qu'il fait même pas jour. C'est embêtant. Faire un feu on va pas le faire, on a que ça. Lire on peut pas parce qu'il fait nuit. Ouais. J'avoue que je sais pas quoi faire. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous partez, bon ça sera c'est un peu gâché parce que enfin ça dépend si vous avez énormément de bois, mais c'est directement en fait recycler les flèches qui sont très bas en pourcentage, donc par exemple 14% avant de partir. On pourrait la recycler et en faire une nouvelle. Bon, on perd le fût à chaque fois, comme j'ai dit, si vous avez des fûts, il faut le faire, vous pouvez le faire. Mais le truc, c'est qu'une flèche peut durer, enfin je sais pas, vous pouvez la tirer je crois 4 fois, à peu près, avant qu'elle casse. Donc c'est pour ça que si vous ramenez des flèches qui sont cassées, ça va pas vraiment vous aider. Enfin, qui sont abîmées, qui sont bas, elles vont vite se casser en fait. Donc du coup ça vous aide pas vraiment. Il fait presque jour. On va ressortir vite fait. On va un peu peut-être tâter le terrain, voir où est-ce qu'on pourrait se mettre. Faudrait récupérer du bois aussi. Je regarde si jamais il n'a pas avancé, parce qu'on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il aime bien se balader. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des bois comme ça. On pourrait les casser, et ça nous ferait du bois pour le feu. On a des champignons ici encore, on va les récupérer. Eh merde. Ok. Vous voyez, on peut rester quand même longtemps. Le fait que... Pourtant il fait froid, hein, mais le fait qu'on n'ait pas l'humidité, enfin pas trop, et on a le coupe-vent aussi, on a quand même pas mal de pourcentage. Ça aide, hein, ça aide bien, bien, bien. On va re-rentrer et on va faire les on va faire ça. Oui, ça m'embête un peu là le coup de l'élan, parce que là on l'a trouvé tout ça, on est bien. Maintenant il nous faut un peu un beau temps. Comme j'ai dit, si on doit se balader dans le froid c'est pas un problème, mais le vent c'est un problème. Ça va être un problème. Ah, il faut presque jour. Ça va être un gros problème de vent. On peut pas combattre s'il y a du vent. Si jamais le truc nous fonce dessus, qu'on doit esquiver ou qu'on doit faire le tour d'un rocher et tout ça, et qu'il y a le vent qui nous pousse, là c'est la mort assurée quoi. On pourrait utiliser ça. Si on peut monter dessus, on pourrait utiliser ça. On peut pas. Est-ce qu'il est là de ce côté-là? Du côté gauche. On peut la pâte. Non, c'est un arbre. Devant là, pile devant, je crois que c'était le truc. On pourrait l'appâter quelque part, mais je sais pas où. C'est pas une grotte ça encore? Je vais aller voir. Il est où là? Après il a peut-être bougé. Hein. Je le vois pas. Il doit être plus sur la droite. Ok, là aussi on a une grotte. Mais ça c'est pas une grotte... Oui voilà, c'est juste une grotte. Est-ce qu'il fait chaud à l'intérieur de repos? Ok, pas mal. On peut se reposer là. On a chaud. 10 degrés. C'est très bien. Donc c'est vrai que là on pourrait complètement... le dépecer ici par exemple. On peut le dépecer à l'extérieur. Intéressant, intéressant. Protéger du vent et tout ça. C'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, si on est dans une grotte, tout ça, comme par exemple là, normalement on a quoi? On est à 0, 2, 3 degrés peut-être des fois, et encore c'est rare. Mais là directement on monte quand même pas mal haut parce que, voilà, encore une fois on a des bons vêtements. C'est pour ça qu'il me faut absolument le deuxième pantalon en peau. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire juste pour passer le temps un peu. Pas grand chose. On pourrait dormir une heure, mais c'est possible qu'il fasse froid. Ah, quoique, oui, on peut le faire. Avec le... Ah! Pas de vent. Waouh! C'est silence absolu, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il doit faire froid quand même, on est d'accord. Ouais, il fait froid. Ok, mais comme j'ai dit, c'est pas très grave. Ok, donc là, il n'y a rien. Ah, je crois qu'il est là. C'est lui, là, non? Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alors, on a des morceaux d'arbres couchés. On pourrait peut-être se mettre dessus. Là, on a encore des champignons. Si vous cherchez les élans, trouvez ça, là, l'écorce des arbres, elle est abîmée. C'est parce qu'ils grattent leur corne, en fait. Enfin, leur bois sur les arbres. Donc, si vous cherchez des élans, cherchez ça. Ça peut aider. Nous, on a trouvé l'élan avant de trouver ça, mais voilà. Mais si vous en cherchez un, ça peut aider. Je crois que c'est le moment où on teste. Ouais. Ça peut être bien. Touché. Oh, wow. Sniper. Je pensais vraiment pas que ça le tuerait en une flèche. La flèche est brisée par contre. Mais t'es sans déconner là, t'es sérieux? Là ça sert. Il n'y a pas de loup. Est-ce qu'on a assez pour faire du feu? Il fait moins 16. Ok. Yes, let's go. T'es sérieux quoi. On vient de le défoncer avec une seule flèche. On fait du feu maintenant parce que... Parce qu'on a un beau temps en fait. Il y avait du vent et tout ça, donc c'est... En théorie, s'il y a beaucoup de vent pendant un moment, après il n'y en a plus pendant un autre moment. Donc on fait le feu maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de bois. Et enfin, je voudrais ne pas avoir trop froid, je veux récupérer sa peau déjà. Déjà, il faut prendre la peau, c'est le plus important. Ok, très bien. Je crois qu'on va avoir trop froid. Faut qu'on trouve plus de bois. C'est peut-être une connerie de faire un feu là. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. On n'a pas énormément de choses. Donc d'abord on va couper sa peau, je crois. Ou alors on va prendre un steak, le mettre sur le feu et prendre la peau. Comme ça on va pouvoir le manger. C'est un truc qu'on va faire. On va faire ça. Ça nous donne des calories. Ça fait un petit moment que je suis dans le positif, donc bon, si ça peut venir, hein, les trois nuits là, 3 jours. Ok. Dis-moi que le temps est assez bon. Ok, parfait. Alors la peau, combien de temps ça prend? 32 minutes à la main. J'avais dit qu'on prenait un steak. Hein. J'écoute jamais ce que je suis en train de faire. Ok, on a encore une heure. On va poser ça par terre. On va poser ces trois là. J'ai dit ça, mais au final, on est à zéro, hein. Donc voilà, c'est complètement con ce que je viens de faire, c'est bien, la perte de temps. Ça c'est de la perte de... Fallait pas boire le truc, ça servait strictement à rien. Faire attention qu'il n'y ait pas des lots qui se ramènent. On a encore 1 heure de feu. Très bien. La peau, on va la déposer. Parce que la peau est extrêmement lourde. La peau, elle doit faire au moins 5 kg, 10 kg, 5 kg. Donc ça, on la laisse pour le moment. Voilà. On va regarder là pour le bois. Ah, très bien, très bien. S'il faisait moins froid, j'irais... Ah, on pourrait aller casser directement du bois. Genre ça, là. Ça vous prendrait 1 heure. Ah, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. 13 minutes. C'est pour 7. C'est pas grave. On prend des dégâts, c'est pas grave. On va manger ça, et je pense qu'on peut aller dormir dans la grotte. Voilà, 3 heures. On va boire ça, comme ça nous réchauffera. Voilà, très bien. On a 12 boyaux dessus. Puis on prend de la viande encore en plus. Voilà, c'est bien, 2 heures, 8 minutes, 7 minutes. On va en prendre encore un. On utilise le couteau, honnêtement j'utiliserais bien mes mains à la place hein, pour éviter de... Voilà, ça, ça... Du coup, ça, 1080. Ça, on peut le manger. Ça, on peut le manger. C'est comme du cerf, en fait. Donc ça, c'est très bien. C'est comme du cerf. Il fait pas extrêmement froid. C'est bien. Est-ce qu'on a des plumes? Yes, hein, on a des plumes en cadeau. On va aller voir pour les petits bois, là. On a chaud, donc autant en profiter. Par contre, est-ce qu'on a assez chaud pour casser ça? Ça fait 1 heure, hein, c'est chaud quand même. Enfin, c'est froid. On pourrait le faire, on pourrait le faire. On pourrait le faire, le coup du bois, là. On va peut-être le faire. On va manger tout ça. Voilà, très bien. On va prendre ça, comme ça on aura le bœuf de la chaleur. Et on va couper le bois. Normalement on a... Oui, ça va, ça va. Normalement, ça va pas brûler. Enfin, on en a tellement de toute façon, c'est pas grave. Ouais, il fait pas froid, c'est bon. Enfin, il fait pas froid. Là, normalement, j'utiliserai la scie. Mais on doit être rapide pour la viande et tout ça, donc on va pas le faire. Très bien. Voilà. On va le manger. On va manger le plus possible. Voilà. On va essayer de récupérer le plus de steak possible, je dirais. Et ça va être un peu emmerdant. Je sens qu'on va avoir du brouillard, je sais pas pourquoi. Le plus de steak possible, on va aller se reposer dans la grotte là-bas. On a encore 3 heures de feu, on a ça. C'est très bien. Ce que je voudrais faire à la limite, c'est peut-être... qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, aussi recycler. Vous voyez que recycler, c'est pointe de flèche et 2 plumes de corbeau. Alors que si vous recyclez un truc qui n'est pas encore cassé, c'est 3 plumes. Donc dans un sens, vous pouvez avoir flèche illimitée tant que vous avez des fûts de flèches. Ah, donc c'est ça qui est pas mal. Mais on va récupérer encore plus de viande. Encore 12 minutes. Tac, tac. Ça. On avait un steak, on avait commencé. Celui-là, on va le manger. Celui-là, on va le garder sur nous, on va le manger, on va le finir. Celui-là, on le garde là. Ça se passe très bien, encore 8 minutes. Très très bien. On n'a pas vraiment besoin des boyaux, honnêtement. Boyaux aussi, on s'en fout un peu. Voilà, ça on garde. Là, on pose là. Tac. Non, comme ça. Ouais, ça va plus vite de faire comme ça manuellement. On peut même... c'est vrai que pour pas trop être fatigué, on pourrait dormir à chaque fois 1 heure. Le temps que ça cuise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais bon, dormir, c'est un peu du gâchis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Non. Il fait vraiment pas froid, quoi. Là, on a de la chance, on a vraiment de la chance. Ouais, dormir 1 heure, allez, pourquoi pas. Le temps que ça cuise à chaque fois. Pourquoi pas. De toute façon, on n'a pas froid, on a le feu à côté, on est protégé des loups. Voilà, quoi, c'est tranquille. Et si jamais on est en pleine forme... Si jamais on est en pleine forme, on peut directement partir. Honnêtement, je préférerais directement partir. On va le laisser là. Je voudrais bien faire plus de... comment ça s'appelle, de tisane. Je vais être honnête, je préférerais faire plus de tisane. Attendez que je fasse pas d'erreur. Ça, ok, ça on mange. 40. On a encore des tisanes? On a quoi comme tisane? On a plus de tisane. Enfin, on a ça par contre c'est rare, c'est plus rare, donc je vais pas les perdre. On a encore un peu d'eau. On n'a pas énorme. Hop. On n'a pas énorme en eau. Donc faut faire un peu attention, qu'on rentre pas en bancal, quoi. Après il va falloir ramener tous ces steaks. Parce que ça c'est de la bonne viande, c'est ça qui est vraiment bien. C'est de la bonne viande. Après, on n'est pas obligé de les faire cuire maintenant, mais c'est vrai que on en profite un peu en fait. Ouais, on va attendre cela et on va faire des des tisanes. On va faire des tisanes. Pour être tranquille. Parce que en fait, j'ai toujours le réflexe de les faire cuire. Parce que, oui, avant, c'est vrai que le faire cuire, ça ne nous donne pas de l'odeur, mais maintenant, vu qu'on a... Si on dépasse les 3 morceaux de viande dans l'inventaire, peu importe... peu importe le morceau de viande... Ah oui, mais c'est vrai que si on... Il faut faire de l'eau, en fait. On va faire ça. Peu importe le nombre de kilos de viande en fait. Si vous avez 3 morceaux, à partir de 3 morceaux, vous puez la viande quoi. C'est un peu bête dans un sens, faudrait que ça soit un nombre de kilos. Je dirais, enfin pour moi, ça serait plus logique que ça soit un pourcentage, un nombre de kilos. Genre si vous dépassez les 5 kilos de viande sur vous, bah ça commence à se sentir. Genre je sais pas, un truc comme ça. Mais bon, c'est comme ça hein. Très bien, on a encore 2 heures d'eau, 2 heures de feu, on va dormir encore un peu. On va être en pleine forme, et ce qui est bien c'est que aussi être en pleine forme ça nous permet de porter le maximum qu'on peut. Un maximum de poids. Ouais on est vraiment bien. Oh par contre on a un brouillard de fou. On n'a plus de feu, on est d'accord. Je pense qu'on va rentrer dans la grotte. J'ai honnêtement pas trop envie de me balader. J'ai pas vraiment envie de me balader comme ça. Avec un brouillard aussi épais. Surtout parce qu'il va y avoir des loups et on va puer la viande. Ok, on a de l'eau potable. On va faire ça. Dans 8 minutes, très bien. On a encore 1h40 de feu. Bah j'ai pas grand chose à dire honnêtement, je suis assez calme parce que là ça se passe vraiment bien. On voulait faire notre aventure et puis au final bah voilà, voilà notre aventure est parfaite. Notre aventure est juste parfaite. Ça c'est des gros steaks à chaque fois. 1080, 1080... Là peut-être un loup. On a encore 1h30. On est à 26 kilos. Je regarde si on peut pas... faire baisser le poids parce qu'on va avoir plus 5 avec la peau et après c'est à chaque fois 1 kg de viande. Donc je suis en train de voir si on peut pas baisser encore le plus. Il y a le sac de couchage, ça fait aussi 6 kg. Je crois qu'on va laisser l'eau, on va jeter toute l'eau qui nous reste, une fois qu'on sera prêt. 15 minutes. On va utiliser la scie. De toute façon c'est pour 2 minutes, c'est pareil. On va utiliser la scie. Dans 3 minutes c'est prêt. Ça on va le garder. Voilà, très bien. La viande elle est prête. On a encore 1h20. Je pense que ça va être bon. Je pense qu'on va partir. Alors attendez qu'on compte un peu. Donc à chaque fois c'est 1 kg. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh la vache. On va être très très lourd. On va être très très lourd. On va être extrêmement lourd. Bon, on est en pleine forme, ça va. Il reste encore 47 minutes. Ok, ok. Donc on est déjà, on dépasse les 30. Je crois qu'on va... Ah, on va partir maintenant. On va partir maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur... J'avais ça. J'avais oublié de le poser. Ouais, ça sert à rien, ça sera pas cuit. Ça sera pas cuit. On va manger ça. Voilà, très bien. Ok, maintenant on fait le tri. Ah, attendez, on va peut-être pas, on va faire ça. Une seconde que je me concentre un peu, on va boire ça, ça va nous réchauffer. Très bien, ça on le laisse cuire, ça sera pas fait mais c'est pas grave. On est en pleine forme, on prend ça. On prend notre sac de couchage. Hop, hop, hop. Ok, on est à 45 kg, je vais voir un peu la vitesse. C'est chaud quand même. C'est chaud de se déplacer. Aussi lentement, c'est super chaud. « 43 kilos. » Il y a celui-là à manger. On va le finir. Bon, je crois qu'on va, partir. Il n'y a rien d'autre à jeter. Ouais, c'est bon, on y va. On y va. J'ai envie de tracer comme ça. Ah, on est quand même bien lourd. Hein. Honnêtement, avec un bon temps, c'est pas grave. Voilà, j'aurais dû fermer ma gueule. Avec un bon temps, c'est pas grave d'être aussi lent. Le problème, c'est les loups. On va parler de loups. On va essayer de pas se louper. Voilà. Je crois que c'est un peu trop juste de partir comme ça. On a un loup là sur la gauche, je crois là-bas, en face. On a un, deux... On va aller à la grotte. Je crois que la grotte est juste là. Hein. Oui, oui, il y a le gros rocher ici. On va aller à la grotte et on va dormir. Il y a quand même deux loups. Il y a quand même deux loups. Et je crois que on rentrera chez nous au prochain épisode. Ce sera notre petite aventure, le retour. Ce sera notre, ouais, notre petite aventure. Après, bon, ça va, vous avez vu comment on se débrouille avec les loups. Ah, une flèche dans la tête, ça fait... Ça les finit, ça les tue direct. Enfin, on fait énormément de dégâts, donc même si ça touche pas la tête, tant qu'on le touche, le loup, honnêtement, tant qu'on le touche au moins une fois, je crois qu'on va le tuer après. Parce qu'on l'avait déjà fait, on avait déjà touché des loups, on les avait pas tués d'une flèche. Mais après, ils pouvaient... après, s'ils nous sautaient dessus, on les matraquait avec avec un couteau ou quoi que ce soit, et ça le tuait. Ça les tuait, donc... Et puis il faut qu'on se réchauffe aussi. On se réchauffe un peu. Donc c'est pas mal. Non, honnêtement, on va y arriver. Même si je dois faire ça, c'est pas grave, ça m'embête pas, honnêtement. Les vêtements, j'ai un peu peur que les vêtements prennent cher, mais... Ah oui, par contre, on n'a pas d'eau, du coup. On a encore ça en tisane, donc on peut encore utiliser 3. Donc on utilisera ça, on va dormir le plus possible. Oui. On va dormir le plus possible. Et la prochaine fois, on rentrera. Ça nous fera une petite aventure, comme ça. Ça va faire déjà plus d'une heure là que je suis sur cet épisode. Donc comme ça nous fera notre petite aventure de rentrée au bercail. Et puis ouais. Ouais, ça sera ça. Et après, on fera encore une ellipse pour attendre que la peau se sèche. Par contre, j'ai envie de voir... Est-ce que la peau sèche? Ouais, on peut vivre dans la grotte, en fait. 10 jours, ouais, c'est 10 jours encore. Pff, ça va être long. Ça va être très long. Enfin bref.